Namdi honneur respect la société parce que c'est l'Isaïe. Pikouma on zanne na coupingouin, mi journal là sous taxe 609. Nous frapper l'emporte bien fort, rale ti chaise bord, nous pral bon bon gens information. Nous pas vinn bay buzz, nous pas vinn bay zin. Nous même c'est bon journal n'a ba ou avec un paquet information, n'a bon image, n'a bon son, n'a fo wè moun ki di an, n'a fo tande moun ki te parle an pour capable ou même faire jugement pa ou. Jodi an nous lundi 2 novembre 2020, paraît en pile jour pour année an, fait nous babaye. Même capteur de journal la kounia, prend téléphone, prend laptop ou partage journal la pour qu'a faire arriver plus loin. Ou même qu'il en Chili, ou même qu'il en Brésil, ou même qu'il en Argentine, qui en République Dominicaine, États-Unis, Canada, la France, ou pas que l'autre bagage pour faire. Au Japon, nous connaissons nous haïtiens tout côté. Voyez le bas haïtien qui sous toute planète là pour nous capable partager journal là. Pas oublier, c'est TAK, tout haïtien connecté, quel que soit côté, un bon grain haïtien, un mauvais grain haïtien, bienvenue sous TAK 609. Yo l'autre fois qu'on a dit bienvenue sur TAK 609, nous pral dégainer journal là-bas où vendredi 30 octobre 2020 qui s'est passé, président Jovenel Moïse t'est investi dans fonction yo comité consultatif indépendant pour élaboration projet nouvelle constitution qui gagne 5 membres là-dedans. Parmi 5 membres ça yo, nous gagne ancien président Boniface Alexandre qui c'est président comité consultatif ça, nous gagne madame Mona qui c'est un avocat qui c'est ancienne candidate dans Sénat pour département l'Ouest sous bannière fusion qui c'est un membre. Nous gagnons ancien secrétaire technique comité pilotage état généraux sectoriel yo, et lui No Pierre qui c'est un membre, et puis nous gagnons tout Jean-Emmanuel Eloi qui c'est un autre membre, et puis nous pas oublier tout nous gagnons général retraité Ira Abraham qui c'est un membre. Ça fait nous 5 membres qui fait partie comité indépendant consultatif pour projet nouvelle constitution. Le président te recevoir le palais national, président te fait un discours qui te dure une trentaine de minutes, et bien dans le discours ça, président te mande yo nouvelle loi ça yo qui pral en dans constitution faut un aspect inclusif, ça veut dire faut tout moun la donne, et puis faut tenir compte tout de différents groupes tels que diaspora avec jeunes garçons, jeunes femmes dans pays conformément avec mandat yo. Ça veut dire diaspora met commencer gain espoir yo capable participer l'activité politique pays, ça c'est moi qui dit. Et puis il était invité membre comité consultatif indépendant pour faire un petit bat bouche avec chaque moun dans force vive nation, chaque parti dans force vive nation pour yo capable konnen ki sa ou pense. Il te mande yo tout si yo capable joine bourade l'homme expert nationaux bien internationaux s'il nécessaire qui capable aider yo dans travail ça ou al faire. Et bien nouvelle constitution ça li doit consolider acquis démocratique yo, doit assurer sa relé liberté d'expression pour moun ka parler libre en pays. Pi loin lan diskou li président Jovenel ta pral gen pour dire que c'est seul peuple là qui a décidé si oui ou bien non yo vle changer constitution wa. Et président fait konnen que li va organiser un référendum et sous nouvelle constitution ça yon fois que mandat comité consultatif qui gen 5 membres blanc li fini. Haïtien frèm, haïtien chèm yo kap tandem nan 4 coins pays a ak nan diaspora. Jodi 30 octobre ça, moi prends décision pour m'installer comité consultatif indépendant capable de travail sous projet yon nouveau moment loi pays. J'aime dit nous dans discours vendredi passé, affaires constitution concernées tout le monde. Quitte la vivre dans pays, quitte la vivre l'autre bord de l'eau, ça veut dire dans la diaspora. Quitte la vivre l'autre bord frontière, ça veut dire dit tout dans la diaspora. Les affaires constitution concernent surtout équilibre nation, souveraineté pays. Qui donc, moun qui bien placé pour qu'on si oui ou non, constitution doit changer et qui doit prendre décision pour le changer, c'est le peuple souverain. Personne encore va prendre une grosse décision ça. C'est le peuple là. Depuis plusieurs mois et jusqu'à la semaine qui s'est passée, moi après je vois un pile délégation
organisation politique, organisation dans la société civile, organisation socio-professionnelle, organisation religieuse, pétition qui soutient la diaspora. Tout le monde a demandé un seul bagage. A chanté un seul refrain, yon l'autre constitution pour le pays. Dans la radio, tant qu'on a la télévision, leader d'opinion a brassé l'idée sous question changement constitution. Dans le salon, dans le calfou, tant qu'on sur les réseaux sociaux, c'est une seule parole qui a parlé. Nouveau constitution pour le pays. En pile symposium avec forum organisé tout partout sous question changer constitution. Conclusion, tout symposium avec forum ça recommandé pour pays a gagnon l'autre maman loi. À tout monde dans classe politique là m'balé reconnaître nécessité pour maman loi pays a changer. Même communauté internationale là en pile nan yo et en pile l'autre monde qui a une bonne volonté fait même constat et ou pas décidé faire même bouche. Après nous t'avons gagné ancien président Boniface Alex qui t'avons prendre la parole dans long collègue avec collaborateur Lio côté Lydie l'a fait un job pour capable bailler un travail qui à la hauteur de attente avec revendication organisée avec société civile et puis structure politique constitution 1987 là d'après lui-même responsable d'un pile problème pays a confronté dans moment parce que lui-même était un ancien président les connaît constitution bien et puis tout nous pas oublier ancien président Alexandre Boniface il était juge à la cour de cassation. Il était même président à la Cour de cassation de la République. Ça veut dire ancien président Alexandre Boniface, c'est un monde qui connaît la constitution bien, qui connaît le travail qu'il va faire. Comme nous connaissons déjà, il y a des secteurs qui en dans le pouvoir politique là, et bien qui pas tellement aimé forme figue président Boniface, elle nous connaît après les Chabertrand ici te finalé, et bien Boniface ensemble avec Gérard Latortue alias Gojira, te mené une lutte acharnée contre partisans Lavalasio, les ça a eu grand pile partisan Lavalas, yo te mette en prison. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours souhaité de servir mon pays jusqu'à ce que le sommeil du tombeau fermera mes paupières. Malgré mon âge avancé, je suis fier de présider ce comité et je vais faire de mon mieux pour que le président de la République et le peuple haïtien ne soient pas déçus de m'avoir nommé comme président de ce comité. Je crois que la tâche sera difficile, mais pour moi, un vétéran de la profession d'avocat, j'ai plus de 60 ans d'avocat. Et ensuite, avec mes connaissances acquises, tant à la Cour de cassation qu'au Palais national comme étant président de la République, je crois que, avec le concours et la participation de mes confrères, de mes collègues, la tâche me sera très facile. En effet, à la Cour de cassation, durant mon passage, tous les conflits relatifs à l'inconstitutionnalité des lois sont traités par moi. Et pourquoi par moi et non pas d'autres juges? Il y a deux principes en Haïti. Lorsqu'un grand dossier comme le dossier de la constitutionnalité des lois, c'est toujours au président
de la Cour qui doit charger de traiter ce dossier. Et c'est lui, non seulement qui doit traiter le dossier, mais c'est lui qui est appelé à prononcer, à préparer et à prononcer le verdict. De telle sorte que la tâche ne sera pas difficile pour moi. D'autre part, pendant que je suis passé les 2 années au Palais national, je reconnais, j'ai touché du droit toutes les difficultés que nous avons à résoudre résident dans la Constitution de 1987. Les présidents, tous les présidents qui passent au Palais national peuvent, pour une raison ou une autre, ne pas vouloir dénoncer cette Constitution. Mais je crois que le moment est venu pour dire la vérité au peuple. La Constitution de 1987 est responsable de toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Comité consultatif indépendant pour élaboration projet nouvelle constitution l'a bien pour mission pour élaborer un projet de constitution qui permet de préserver acquis démocratique l'a bien tout pour garantir droits fondamentaux monde qui vivre et puis en dans constitution tout libéral gagner pour exprimer clairement droit avec devoir chaque citoyen gagner dans société libéral renforcer mécanisme état de droit yo en dans constitution et l'a rationaliser et puis préciser nature régime politique l'a bien tout pour clarifier et rééquilibrer pouvoir l'état yo dans organisation avec fonctionnement yo. Ça li même ça son dernier point là yo va mettre tout le monde en place yo pour dire leur son pouvoir en dans l'état et eh bien qui rôle avec fonctionnement et bien c'est tout ça yo comité ça a gagné comme mission pour yo faire pendant mandat que président li même ni ba yo nous même nous là n'a suivre n'a porter information pour depuis gon bagarre qui tombé n'a dou parce que nous même nous on ba paille nous tout côté n'a suivre n'a tendez nous petits oreilles nous coûte li rive loin n'a pote pour toute information t'a besoin sur nouvelle constitution mais nous connaît déjà secteur opposition yo ben pas d'accord avec question de constitution ça MT dit nous déjà les États-Unis li ra l'école dans dossier hein, parce que eux même yo pensé pour ta gagner élaboration nouvelle constitution faut parlement ta là et nous connaît parlement ça si on parlement dit quoi nous connaît parlement ça c'est un parlement gâté ça qui gagne pile de politique qui gagne pile influence depuis yo là bagala ral mon gomen jouet là pa tous pour président n'a suivre n'a regarder pour nous qui Jean Bayo pour aller est-ce que président la privé l'emboutli l'a gain temps élaborer nouvelle constitution ça Conseil supérieur pouvoir judiciaire a metté dehors couchin quelques magistrats qui a fait recéler dans la justice là parmi ça reproché magistrat ça yo gien là dedans qui gien faux diplôme nous pas connait si c'est diplôme études secondaires ou bien si c'est licence yo pas gien gien là dedans tout yo reproché pour absence d'intégrité morale et puis gien qui l'en détournement de code du délit ça relé détournement de code du délit hein. Par exemple un voleur qui gien un arme en main ou un couteau il était piqué un monde ou il était tout un monde ça yo kebe moun nan matériel yo kebe moun nan li commettre crime nan yo relé sa corps du délit qui sont preuve matériel que la justice besoin pour capable prendre sanction be condamner moun nan zam sa kon rive en dans tribunal la côté o mete la gen magistrat ou bien juge qui connait zam nan son belles amis yo prend la gen deux fois tout et ça kon rive corps du délit kon en dans tribunal la ou bien côté o mete la yo kon payer des moun nan dans corps pour capable faire disparaître corps du délit et ben les jugement pral fait les a mandé corps du délit pour qu'à présenter l'assemblée ou bien devant tribunal là comme une pièce importante dans le cadre jugement et bien les a cherché le barrel il fait exprès disparaître pour capable blaguer monde et bien qui tout abus d'autorité nous connaît magistrat fait ça en pile puis juge yo accusé la question de volontaire monde vol affaire monde bail monde impression fait monde courir prend affaire tout juge ça que mettez dehors et la liste ça qui t'a traîné hein qui t'a gagné magistrat non certifié reproché monde ça de ça moi sous cité là nous connaît déjà
sak CSPJ an, Conseil Supérieur Pouvoir Judiciaire an, li genyen 5 fonksyon. Parmi fonksyon sa yo, li genyen fonksyon administration, ki se gestion administration centrale, administration kou avec tribunal yo, li genyen tout pou l'fè gestion et cheminement magistrat yo, li genyen deuxième fonksyon li ki se contrôle, contrôle la ki gen la den certification, fonksyonnement des cours et des tribunaux. Troisième fonksyon li genyen se discipline, et bien c'est la fonksyon sa que y a appliqué là, li genyen pou li met un contrôle disciplinaire sous personnel conseil là et puis contrôle disciplinaire sous personnel cour d'appel, tribunal etc. Ça veut dire les nèg a fait des ordres. L'injustice ça et bien CSPJ li même ni ka servi contre eux même. Et puis gen traitement des plaintes contre les juges. Ça très important. La magistrat sa yo et bien gen plainte qui pote pou yo, gen la de ka vann justice parti godette pas mamite pour ka régler bagarre personnel yo. Et puis quatrième fonction c'est délibération décision disciplinaire. Ça veut dire les au fin prend sanction contre eux-mêmes et bien yo prend délibération, ça veut dire yo appliquer sanction. Après ça cinquième fonction CSPJ c'est communication, là au gain pour communiquer tableau de cheminement annuel des juges et parquetiers, publication de rapport annuel des activités de la CSPJ. Ça veut dire et décision ça au prend contre ça yo et bien li rentre dans fonction CSPJ qui gagne comme fonction discipline depuis ou pote plainte contre un juge qui a fait un bagarre qui passe en justice et bien CSPJ lui même qui c'est conseil supérieur pouvoir judiciaire li ka prend sanction contre ça et bien j'aime te dire nous tout à l'heure gagne un liste cap et traîner sur internet là côté gagne des magistrats et qui certifié gagne là-dedans et tout CSPJ pas décidé faire ou ta avec yo et bien yo même yo pas certifié yo retiré leur fonction. Nous pas connait si c'est même bagaille ça tout qui passé juge en sa galère qui c'est Miss Guerre Julien qui dernièrement là yo mette à terre parce que grand pile plainte qui pote pour juge ça qui a fait des bagailles en sa galère qui pas bon ben population mette pote plainte pour lui et ben yo mette la terre li remplacé par un nouveau juge de paix en sa galère et Junior Altenor depuis 26 octobre 2020. Ça qui a passé là pas étonné aucun monde les nous connaît président Jovenel lui-même t'a annoncé ça et elle était dans pays étranger et t'a participé à l'événement président t'a fait connait yo forcé le nommer un paquet de juges qui corrompu et ben nous pas connait si son passé mais qu'a fait dans l'appareil judiciaire pour capable débarrasser yo de juge ça yo juge corrompu ça yo que président lui-même l'été dit yo fait le nommer yo forcé le nommer juge ça yo parce que appareil judiciaire si ministère de la justice avec toute entité qui gère rapport avec la justice en Haïti et si nous voulons fonctionner dans le pays tout qui gagne état du droit, nous ta doué passer mais retirer tout juge qui a baillé pression, qui a volé affaire moun, volé terre moun, qui a fait transaction de justice. J'ai toujours dit la justice c'est un bagage qui lève visage de nation. L'état de prendre des dispositions pour passer main de justice en profondeur pour capable retirer toute crasse, toute vieille bagage de justice pour capable lever figure nation ça. J'en a déroulé là, c'est dans quelques camionnettes là nous y en après les yo gagne pas gagner sérieux qu'a fait dans pays. Direction immigration avec immigration DIE qui gen en tête li monsieur Joseph Sianci ou li fait connait grand pile disposition qui pral prendre dans ça qui a ouais avec question du passeport dans pays d'Haïti. Et ben nouveau passeport yo pral intégrer là-dedans yo des mesures de sécurité biométrique pour capable identifier moun yo pi bien. Et ben passeport ça yo c'est des passeports qui pral des passeports électroniques et ça fait obligé prendre décision ça yo c'est pour capable répondre avec normes internationales de l'aviation civile. Ça veut dire c'est pas pays qui prend décision ça pour compte yo, c'est parce que passeport yo va l'entrée kounya dans système qui plus sophistiqué pour capable gain contrôle tout monde qui a déplacé sous la terre. Mesure sécurité biométrique ça yo, c'est une puce intégrée, ça veut dire c'est un petit carte qui fait un petit carte SIM, on puisse intégrer et mettre en dans passeport et puis au passer passeport ba au lecteur système informatique qui pour ça, système ça qui relé système d'information et d'analyse des données sur la migration qui c'est MIDAS, MIDAS, ça est sigle, et bien depuis au passé passeport a fait monter toute information qui a rapport avec moun
passeport pour lire. Information ça, c'est des informations biométriques et information c'est des informations tout qui va renforcer sécurité dans ça qui a ouais avec moun kap déplacé kap voyager sous la terre. Midasa lui-même système ça qui relé Midasa qui est installé déjà plusieurs côtés, nous gain installé là depuis février, gain lui-même là bureau direction de l'immigration et de l'immigration qui sous la lien gain tout là aéroport international tout c'est l'ouverture et puis il déjà fonctionnel tout au niveau de la ville du Cap Haïtien. Et bien selon directeur service technologique et DIA Jean Osnay Lambert, il dit que mesure ça que prend concernant passeport ça nouveau passeport électronique, et bien c'est pas eux même qui prend décision ça, c'est une exigence de l'organisation de l'aviation civile internationale qui c'est OACI qui oblige yo pour yo faire tout citoyen haïtien qui ont passeport électronique les à voyager. Et bien j'aime de nous la puce électronique la donne et puis la permettre haïtien de son citoyen haïtien qui gagne passeport ça y aller là en pile à travers le monde depuis le rivière après passeport à la mail et puis à partir de lecteur signature électronique là qui est capable d'identifier Mounsa. Et bien directeur général immigration monsieur Joseph Sianci Ouli, et bien il dit que et après que tu fin résoudre problème 111 000 passeports qui étaient en souffrance, ça les dit passeport moun yo te bay fait qui votre jambe remettre ou bien passeport tout te gen retard là dedans à cause de manque de livret, yo pas de imprimer passeport ça. Et bien il dit après yo fin travail sur question de 111 000 passeports que pas cabaye pour y aller du grand temps pour y passer la question de passeport électronique ça, si ça fait une vraie décision ça pour commencer à frapper sous passeport électronique là. Passeport électronique ça c'est un document voyage qui peut gagner la donne empreinte ou bien photographie qui correspond avec mettre passeport même. C'est ça et Joseph Sianci Ouli fait qu'on est. Et bien il dit que désormais immigration côté on fait passeport, il y a une possibilité pour nous cap imprimer 6000 passeports par jour et il dit que pas gain problème stock tout tant qu'on peut pas livrer passeport et façon il va produire passeport électronique ça. Il dit que système là, il est en opérationnel déjà en Haïti. Et moi dis nous qui bon lié déjà gagne l'île à l'aéroport Toussaint Louverture, gagne l'île en bas l'immigration et puis gagne l'île déjà à l'aéroport qui au Cap là. Gagne système ça tout Washington dit l'an fin mois de novembre là, il va gagne 5 points de demande en République Dominicaine. Puis qu'a fait passeport pour ressortissant haïtien qui derrière, passeport ça qui a bien photo avec empreinte digitale moun nan même. Dans conférence ça te gagne tout ministre intérieur et des collectivités territoriales là qui c'est Odin fils Bernadel qui te parler avec tout le monde qui va faire un nouveau passeport pour yo présenter en personne dans immigration pour venir signer passeport. Pas voyer moun faire passeport pour, pas bail agence faire passeport pour, c'est eux-mêmes qui pour venir pour faire passeport pour tout. Et ben il te dit pour moun pas venir prendre prétexte tout, te bail agence faire passeport pour yo. Toute décision ça yo fait dans souci pour ka combattre insécurité, pour combattre tout terroriste tout parce que terroriste voyage en pile, yo déplacé de un pays avec un autre et gen des fois ou gon voye visage qui sous passeport, c'est pas visage moun nou ap gade. Emprunte dans tout pour éviter toute barrière ça parce que nous connaissons une grande guerre qui a mené contre terrorisme à travers le monde. Et bien tout pays obligé participer et m'a dit nous ça pour information personnelle nous passeport haïtien passeport ça nous est l'état haïtien ba nous qui classé dans une des meilleurs passeports qui gagne dans le monde. Dans la page internationale, là, après l'élection présidentielle 2020 aux États-Unis, qui va dérouler 3 novembre 2020, qui a venu là, président des États-Unis, qui a gagné pour lui faire 4 ans encore sous pouvoir, et nous connaissons deux candidats, nous gagnons la course électorale, ça, nous gagnons Donald Trump, qui lui-même qui est sous pouvoir, qui c'est un candidat républicain, et puis nous gagnons Joe Biden, qui c'est un candidat démocrate, et n'a annoncé que Joe Biden, c'est pas la première fois, l'a participé dans la course électorale pour force président. Dans le pays États-Unis. Chaque moun sa yo a gagné ministre normalement doit voter, faut voter pour ni président ni ministre. Pour Donald Trump n'a gagné Mike Pence, pour Joe Biden n'a gagné Kamala Harris qui c'est une femme. Nous connaît que ba yo serré derrière et yo même prévoir après élection ça ka gan pile des autres dans pays États-Unis était même gagné un article moi te li qui était intitulé des élections aux États-Unis à la haïtienne. Et score yo qui vraiment serré d'après dernier sondage
reportage yo et sondage ça yo m'a prend yo sur BBC www.bbc.com. Biden devant à 52% et Donald Trump qui c'est candidat républicain lui-même c'est à 43% lié. Ça veut dire différence c'est une différence de 9%. Trêve de plaisanterie, m'a dit nous que Donald Trump fait qu'on est après élection yo. Si lui-même dit ta bon, il dit après élection yo la fisé Biden, toutouye Biden, y a fisé Biden. Nous va prendre si c'est un jouet, il dit lui bien si c'est pour tout bon, mais nous connaît Donald Trump là qui est lié, son monde qui fout en façon parle. Nabdou merci en pile parce que t'es branché TAC 609, ça c'est journal là nous t'es porté la caillou. Nabdou merci parce que t'es prêté nos oreilles pour nous t'es capable informer dans bon timamite, nous t'es porté journal là pour en détail avec ou même serviteur Marshall et Nabdou. Bienvenue dans l'autre journal n'a bien pour nous présenter pendant semaine. Nabdou merci en pile ou même qui t'es avec nous et pas oublier. Moi dis nous ça, allez sous channel là. Si nous aimer ça qu'a fait là, si nous ouais journal là, son journal qui fait en façon qui professionnel, c'est pas gars. Et n'a pas gagné information, c'est pas voyer n'a voyer monter son travail qui fait dans l'ordre et bon pas l'autre bagaille pour faire partager journal là avec yon zanmou, yon famou, yon haïtien quel que soit côté lien et moi dis nous déjà me connais gay haïtien tout côté et puis pas oublier non channel là c'est tout haïtien connecté, ça veut dire son channel qui fait pour haïtien c'est ensemble pour nous venir connecter sur TAC 609 pour nous toujours tendre bon journal bon bagaille avec zanmi nous Marshall m'a dit nous merci à la prochaine.